Cette présentation, à destination des enseignants, a pour objectif une actualisation scientifique des connaissances concernant le stress biologique. Le but recherché n'est pas une étude exhaustive et complète des réponses biologiques face à la diversité des agents stresseurs, mais de poser les bases nécessaires à l'enseignement du programme de terminale spécialité. Nous attirons votre attention sur deux points de vigilance. Les notions abordées ici vont au-delà des attentes du programme de la classe de terminale et les apports scientifiques s'appuient sur des études faites le plus souvent sur l'animal et dont la transposition à l'humain reste hypothétique. La partie sur le stress s'intègre dans le thème 3 du programme de terminale spécialité « Corps humain et santé ». Les élèves abordent ce thème par une approche comportementale. Le comportement est défini comme un ensemble de réactions observables chez un animal en réponse à des stimulations. Il est souvent lié à la notion de mouvement, qu'il soit réflexe ou volontaire, comme la fuite, la défense ou l'agression. On s'intéresse aux mécanismes physiologiques sous-jacents. L'étude d'un réflexe, puis du mouvement volontaire, montre la mise en jeu des systèmes articulo-musculaires et nerveux dans l'organisme et permet d'aborder la plasticité cérébrale. Ensuite, les besoins en énergie pour la contraction musculaire sont identifiés, mettant en évidence les flux de glucose et leur contrôle par le système endocrinien. Ensuite, les modifications de l'environnement, notamment la présence d'agents stresseurs, influencent les comportements d'un organisme. L'étude des mécanismes physiologiques du stress met en évidence l'intégration des différents systèmes en jeu et enrichit la notion de rétrocontrôle déjà abordée dans la partie reproduction humaine de seconde. Ce thème 3 aboutit donc à une vision intégrée des systèmes physiologiques qui permettent de maintenir des équilibres dans l'organisme. Une modification de notre environnement par des agents stresseurs peut entraîner une perturbation de l'homéostasie, ce qui va entraîner une répartition différente des ressources énergétiques, adaptant notre organisme à un fonctionnement en mode survie par la fuite ou le combat. Le rétablissement de l'homéostasie va nécessiter l'activation coordonnée de systèmes nerveux et du système endocrinien. Tout stimulus qui engendre une réponse physiologique de stress est appelé un facteur de stress ou un agent stresseur. Il peut être de différentes natures, physiques, physiologiques, comme une blessure, une douleur, une hémorragie, une température extrême, une toxine ou un poison. Il peut être aussi d'ordre psychologique, comme une expérience vécue ou la vue d'un prédateur. Chaque individu évalue la situation en fonction de la nature et de l'intensité de l'agent stresseur, ressenti selon quatre critères qui sont les suivants. Menace pour l'individu, imprévisibilité, nouveauté ou faible contrôle de la situation. Cette évaluation cérébrale est subjective et elle s'appuie sur les expériences passées. Elle implique des interactions entre les systèmes de la récompense, de la peur et de la mémoire. En fonction de la durée dans le temps de la réponse, on distingue le stress aigu ou normal, qui est temporaire, adapté à une réaction dans l'urgence et qui permet une résilience, c'est-à-dire la capacité à absorber les perturbations et à se réorganiser de façon à maintenir ses fonctions et sa structure. Il s'agit d'une réponse physiologique à court terme. Ensuite, le stress chronique, qui est une prolongation de l'état de stress aigu avec un développement de pathologies, dérèglement des fonctions spoliées et des troubles de l'humeur, comme l'anxiété, le burn-out, le stress post-traumatique ou la dépression. Il s'agit d'une perturbation du mouvement et de la structure du cerveau à plus long terme. Face à un agent stresseur, l'homéostasie est perturbée. Notre organisme va donc répondre à ce stress grâce à l'action coordonnée du système nerveux et du système endocrinien, ce qui permet de rétablir l'homéostasie. Les systèmes nerveux et endocriniens vont donc permettre la résilience de notre organisme, c'est-à-dire la capacité de notre organisme à retrouver un état d'équilibre après une perturbation. Cette résilience biologique est à mettre en parallèle avec la résilience des écosystèmes vue dans le programme de première spécialité SVT. Nous allons dans un premier temps nous intéresser à la réponse biologique de stress aigu à court terme suite à la modification de l'environnement par un agent stresseur. Face à un stress aigu, l'organisme va d'abord mettre en place une réponse rapide
appelée réponse initiale de fuite ou de lutte. Elle fait intervenir différentes structures encéphaliques. Elle est induite principalement par le cortex préfrontal et le système limbique, correspondant à un ensemble de structures qui encerclent le dit encéphale. Il inclut également le septum, impliqué dans la régulation de la réponse émotionnelle, les bulbes olfactifs ainsi que certaines parties du dit encéphale, les noyaux antérieurs du thalamus et les corps mammillaires de l'hypothalamus. Il comprend également l'amygdale, elle est essentielle au décodage des émotions et elle est à l'origine de certaines émotions. Il comprend aussi l'hippocampe, responsable de la construction de la mémoire à long terme et de la formation de nouveaux souvenirs. Deux voies complètent cette anatomie du système limbique, le fornix qui relie l'hippocampe et l'hypothalamus, et la strie terminale qui relie les noyaux septaux à l'amygdale et à l'hypothalamus. Lorsque des signaux provenant de l'environnement ou du corps sont interprétés par le système limbique comme une menace pour l'homéostase, ils déclenchent un signal d'alarme. Les structures du système limbique reçoivent des informations des régions sensorielles du cortex et elles transmettent ces signaux au tronc cérébral, à l'hypothalamus et au cortex frontal qui déclencheront la modification de divers paramètres physiologiques. L'hypothalamus régit notamment l'activité du système nerveux autonome en contrôlant les fonctions des centres autonomes du tronc cérébral et de la moelle épinière. Voyons le rôle du système nerveux autonome sympathique sur le cœur et les poumons. Le système nerveux autonome fonctionne généralement de façon inconsciente. Il est composé des systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques, qui desservent les mêmes viscères avec une action le plus souvent antagoniste. Le système nerveux sympathique est activé dans des situations d'urgence. Les neurotransmetteurs sont les catécholamines, l'adrénaline, noradrénaline et l'acétylcholine. Le système nerveux parasympathique, lui, est activé dans des situations neutres, le neurotransmetteur et l'acétylcholine. Face à un agent stresseur, sous la commande de l'hypothalamus, le système nerveux sympathique innervant notamment le cœur et les poumons entraîne une augmentation du débit cardiaque et du débit respiratoire. Associé à des vasoconstrictions et des vasodilatations ciblées, cela a pour conséquence d'augmenter la quantité de dioxygène et de nutriments apportés aux muscles squelettiques, au cerveau, au cœur et aux autres organes mobilisés pour la fuite ou la lutte. De plus, les messages nerveux le long du système nerveux sympathique vont aussi activer simultanément la partie médullaire des glandes surrénales. Les glandes surrénales sont situées au-dessus des reins. Elles appartiennent au système endocrinien, elles sont composées de deux parties distinctes. La partie interne, la médulla surrénale, sécrète des catécholamines, majoritairement de l'adrénaline à environ 80% et dans une moindre mesure de la noradrénaline. L'adrénaline agit surtout sur le cœur et sur le métabolisme, tandis que la noradrénaline induit principalement une vasoconstriction périphérique et une augmentation de la pression artérielle. La partie externe, la corticosurrénale, sécrète une autre hormone, le cortisol. Précisons les actions de ces différentes hormones. La stimulation par un agent stresseur active via le système nerveux sympathique la sécrétion d'adrénaline et de noradrénaline par la médulla surrénale dans le sang. En conséquence, parmi les réponses immédiates de l'organisme, on note une augmentation de la fréquence cardiaque, du débit cardiaque et une dilatation des bronchioles des poumons mettant à disposition plus de dioxygène et de nutriments pour les organes mobilisés dans la fuite ou le combat. On note aussi une activation de la glycogénolyse dans le foie, un déclenchement de la sécrétion d'insuline par le pancréas et une activation de la lipolyse dans les tissus adipeux permettant la libération de nutriments tels que de glucose et les acides gras dans le sang, afin de produire de l'énergie dans les organes mobilisés pour la fuite ou le combat, comme les muscles squelettiques, le cerveau ou le cœur. Parallèlement, il y a une vasoconstriction des vaisseaux et une diminution du débit sanguin irriguant la peau, les intestins, les reins et l'appareil reproducteur pour limiter les pertes d'énergie par ces organes non indispensables à la fuite ou au combat.
Voici une autre illustration de l'action du système nerveux autonome sympathique sur les glandes surrénales. Cette première réponse nerveuse se met extrêmement rapidement en place lorsque l'organisme est face à un agent stresseur, une peur. Une deuxième réponse hormonale, plus lente et avec des effets prolongés, est induite parallèlement par l'hypothalamus. Il s'agit d'une réaction de longue durée qui permettra de revenir à un état d'équilibre. Elle implique des neurohormones produites par l'hypothalamus, la CRH, hormone de libération corticotrope ou corticolibérine, qui va stimuler l'hypophyse. L'hypophyse va alors sécréter de l'ACTH, adrénocorticotrophine ou corticostimuline. L'ACTH va ensuite agir sur le cortex des glandes surrénales. Les corticosurrénales vont sécréter des hormones stéroïdiennes, les glucocorticoïdes dont le cortisol et des minéralocorticoïdes, principalement l'aldostérone, mais de manière plus limitée. Le cortisol va stimuler la néoglucogénèse correspondant à la formation de glucose à partir de molécules non glucidiques comme les acides aminés des protéines ou le glycérol des triglycérides. En outre, il mobilise les acides gras du tissu adipeux, favorisant leur utilisation à des fins énergétiques et réservant le glucose au système nerveux. Sous l'influence du cortisol, les protéines emmagasinées se dégradent, puis sont affectées à la réparation ou à la fabrication d'enzymes destinées au processus métabolique. Par ailleurs, le cortisol intensifie les effets vasoconstricteurs de l'adrénaline. L'augmentation de la pression artérielle et de l'efficacité respiratoire assure ensuite aux cellules un apport rapide en nutriments et d'oxygène. L'aldostérone, quant à elle, agit sur les reins en stimulant la rétention de sodium et la réabsorption d'eau, entraînant ainsi une augmentation du volume sanguin et une augmentation de la pression artérielle. On a donc, dans le cas d'un stress aigu, les systèmes nerveux et endocriniens pilotés par le système limbique, qui agissent de façon coordonnée afin de permettre l'adaptation rapide de notre organisme face à un agent stresseur et le rétablissement peu à peu de l'homéostasie. En cas de stress aigu prolongé, le cortisol va aussi inhiber la réaction inflammatoire, notamment en inhibant la synthèse ou la libération de nombreux médiateurs chimiques de l'inflammation. Le cortisol n'agit pas uniquement au niveau de l'immunité innée, mais agit aussi au niveau de l'immunité adaptative. Il va inhiber la sélection clonale et la multiplication clonale des lymphocytes T. C'est pour cette raison que des glucocorticoïdes comme la cortisone peuvent être utilisés comme anti-inflammatoires. Enfin, les conditions de retour à un niveau basal de la concentration au cortisol sont rendues possibles par des rétrocontrôles négatifs de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien à trois niveaux. Premièrement, le cortisol, en se fixant sur des récepteurs dans le cortex préfrontal et dans l'hippocampe, exerce une inhibition de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien via l'hypothalamus, entraînant l'arrêt de la libération de CRH. Deuxièmement, le cortisol circulant adresse un message inhibiteur directement à l'hypothalamus et à l'hypophyse, ce qui a pour résultat d'abaisser la sécrétion d'ACTH. Troisièmement, l'ACTH circulant envoie un message inhibiteur à l'hypothalamus, ce qui limite la sécrétion de CRH. Donc, le rôle physiologique de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien est de contribuer à l'équilibre homéostatique. On parle de résilience biologique de notre organisme. Néanmoins, dans certains cas, ces actions de régulation ne sont plus opérantes et des pathologies peuvent apparaître, le système se dérègle, le stress chronique s'installe. Le stress chronique active sur le long terme le système limbique et conduit à l'épuisement de notre système de défense et de survie. Des pathologies peuvent alors apparaître, comme par exemple le syndrome d'anxiété généralisée ou de la fatigue chronique. Il se manifeste notamment par des modifications de certaines structures du cerveau, comme le système limbique ou le cortex préfrontal. C'est une forme de plasticité que l'on appelle la plasticité mal adaptative. De nombreux travaux chez l'animal
montre l'existence de modifications structurales de différentes parties du cerveau face à différentes situations expérimentales de stress. Les études cytologiques révèlent une régression des arborisations dendritiques avec une perte de connexion interneuronale et un déficit de la neurogénèse de l'hippocampe. Cette atrophie de l'hippocampe, comparable à celle retrouvée dans les études post-mortem et dans les examens en imagerie chez les patients déprimés, s'explique aussi par la perte gliale et par une atrophie neuronale en lien avec une neurotoxicité dépressive. Cette plasticité maladaptative du stress chronique impacte aussi l'amygdale en augmentant son arborisation dendritique et donc son activité responsable d'une augmentation de l'anxiété et une modification de l'évaluation émotionnelle des situations avec une diminution de la valeur de récompense. Le cortex préfrontal peut aussi être touché par une atrophie réversible des dendrites entraînant une baisse de l'attention et des difficultés à la prise de décision ou à la prise d'initiative. Des traitements, dont certains médicaments, vont permettre de traiter les effets du stress chronique et vont favoriser la résilience biologique, c'est-à-dire un retour aux états d'équilibre, l'homéostasie.